bonsoir à tous. Bienvenue au Théâtre du Rond-Point, dont toute l'équipe et moi-même sommes très heureux de fêter le 5e anniversaire de la Fondation Culture et Diversité. C'est en rêvant les yeux ouverts que Marc de la Charrière a voulu créer cette fondation. Bravo Marc. Je sais que tu es un homme modeste, mais je te dis bravo. Nous sommes très heureux ce soir de fêter le 11600e jeune qui est passé à travers les programmes de cette fondation. Jeunesse qui t'élance dans le fatras des mondes, ne te défais pas à chaque ombre, ne te courbe pas sous chaque fardeau, que tes larmes irriguent plutôt qu'elles ne te rongent. Garde-toi des mots qui se dégradent, garde-toi du feu qui pâlit, ne laisse pas découdre tes songes, ni réduire ton regard. Jeunesse, entends-moi, tu ne rêves pas en vain. L'adolescent ne grandit pas à la même vitesse, ni de la même façon. Alors que pour certains, rien ne presse, d'autres ont l'impression qu'il est difficile de trouver sa place quand on est en pleine évolution. Dans notre lycée, certains disent que c'est le zoo, mais en vérité, on est juste une bande d'ados. J'appelle Jamel Debbouze. Excusez-moi. Bonsoir. J'étais voir Marc Ladré de la Charrière, je vous raconte rapidement. Il est venu me voir et il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et j'ai a priori rien. Et il est venu, il a assisté à un cours d'improvisation théâtrale et il m'a promis qu'on pouvait, à travers les gens qui connaissent sa fondation, emmener l'impro un peu partout en France. Bravo, Marc. On nous a filé des terrains de foot, on est devenu le champion du monde. On nous a filé des terrains de basket, on joue en NBA. Si vous nous filez des terrains de poésie, je vous assure qu'on va bien s'amuser. Bon anniversaire, monsieur de la Charrière, dont la générosité, l'amour et la passion. On me dit souvent que j'ai l'air d'un homme heureux. Eh bien, sachez-le, peut-être que vous le voyez ce soir, je suis extrêmement heureux. Alors pourquoi je suis très heureux? Parce que le défi que nous nous étions imposé, nous l'avons relevé et que donc nous avons montré qu'il pouvait y avoir insertion au sein de cette société qui souvent est discriminée par le biais des arts et de la culture. On se sent utile, on se dit finalement, on sert à quelque chose. Belle et bon anniversaire.